d'abord, nos félicitations hein, pour les dernières performances avec les Lions. Nous aimerons savoir si est-ce que le joueur que vous êtes, déjà vous commencez à devenir un taulier, vous avez la même détermination chaque fois que vous portez le maillot des Lions. Oui, c'est toujours un plaisir de revenir en sélection avec cette détermination. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, c'est vrai que je sors du coup d'Afrique exceptionnelle. Je ne parle pas la tête par rapport à ça. Le plus important, c'est de pouvoir continuer à la même lancée, de pouvoir toujours rester humble, le petit travail que j'ai toujours été, de pouvoir continuer à la même lancée. Alors, nous, que l'on joue un match amical contre les locaux, comment est-ce qu'on aborde ce genre de match? Toujours dans la même détermination, c'est vrai, c'est les locaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir jouer avec les locaux parce que j'ai été là en 2015 avec Botafogo, donc je sais ce que l'on rend comme détermination, quoi. Donc ça ne va pas du tout être un match facile. Vous savez, s'ils vont venir démontrer de quoi, qui mérite en fait la place ici, à nous de pouvoir démontrer que nous sommes les meilleurs. Et je pense que ça va pas être. C'est un match amical, mais ça va être un match très difficile. Donc. Voilà, après une bonne canne devant, c'est la Coupe du Monde. Comment vous vivez? C'est une sorte de pression ou alors c'est un élément de motivation? Oui, je pense que une forme de pression, un élément de motivation, je pense que les deux. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est quand même une Coupe du Monde, c'est les joueurs qui jouent en Europe, c'est les grandes équipes. Nous également, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on mérite d'être là et on a fait le boulot. Il ne faut pas se mettre aussi la pression, ce n'est pas parce que c'est une Coupe du Monde qu'on va beaucoup penser. Il va falloir d'abord préparer, se qualifier pour les prochaines séances qui est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et on va penser à la Coupe du Monde après. Vous vous êtes entraîné sans Vincent Aboubakar, comment est-ce que vous entendez sans le capitaine? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que c'est vrai, nous manque beaucoup par rapport à ce discours et tout, mais voilà, on espère bien qu'il arrivera dans les prochaines heures. Merci.